bonjour, bonsoir Haïti, bonjour, bonsoir la diaspora, bonjour, bonsoir internautes et tout à fidèle à brancher plateforme ça. Moi content ensemble avec nous, c'est un coquin plaisir qui m'a connu en Dafokem et pour nous rentrer la caïno pour nous partager avec nous toute nouvelle et toute information qui a bouleversé la ville pays d'Haïti ou à l'étranger. Namikou, et voilà Kaila, c'est toujours amis, on s'invite au merci Dieu. Et toute équipe là déjà mobilisée. Nous pouvons faire retransmission journal Mega Matin Mega. C'est plus gros réseau radio haïtien qui est sous la terre béni. Avec staff nouvelle là. Information yo sous pays d'Haïti. Wetipi, Radio Mega, Gros Radio 1, l'IFS 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Bonjour pour nous toutes, bienvenue dans 5e paraître journal là. Fritson Ulysse, lui-même qui a viré bouton et micro-présentation, moi-même Jean-Willet Sévère avec Daniel Daniel. Mes amis, tout partout, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le dernier sorti journal. Il y a gagné une dizaine de monde qui tombe en babal dans la commune Cabaret hier, jeudi 11 avril, dans le Sénégal, exemple, qui sorti dans la zone sous Matlac, citoyen qui descend Vincimène à Toublaï, dans cette ville-là, zone qui vire en Elio, nouvelle saté la cause, gros qui est cassé dans la commune à Caillé. Janvier pour arriver mars 2024 a gagné 208 monde qui mourit parmi eux 13 policiers. C'est bilan tête chargée RNDDH mettait d'ailleurs à travers un rapport. Il y aura un public qui en a document ça. Organisation Droit Moun fait qu'on est. Il y aurait censé 64 femmes qui captifient mais qui violaient gagné 83 espace parmi eux institutions publiques qui pillaient ou bien passaient en bas flamme d'y fait nègre avec un ZAM. Malgré situation, ça réseau à prévoir sa cavine pibe. Il y a demandé conseil présidentiel là pour passer main dans le combat de PNH a révoqué Francel Bekila qui a institution dans un état tête chargée, il pas de jambier. Il y a tout commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Jean-Alder, lui-même qui m'a dit tout prisonnier qui était sauvé, tête yo, la justice sinon, et puis le plus grave pour le chef paquet Port-au-Prince là, annoncé qu'il y a une recherche qui pourra lancer contre tout individu ça yo qui était sauvé dans la prison. Et sécurité en d'appel a mis tout chauffeur à genoux d'après responsable mouvement unifié transporté ici en syndicaliste, ça non ébrode qui fait qu'on a un pile chauffeur victime sans compter l'autre qui perdit machine. Sorti 29 février pour arriver 9 avril 2024 là, l'hôpital la paix lui-même recevoir 1194 blessés par balle, 6 mourir là-dedans. L'hôpital la fait face à jeudi avec problème gaz avec raté pochette sang et latrier. Le syndicat national policier haïtien a dénoncé comportement directeur police gardant sans lui Edner Yass qui continue à faire dérive dans le département. Si on directeur départemental qui contente seulement à faire l'argent dans mauvaise condition d'après Lionel Laza qui exigeait transfert responsable à police. Il y a un mouvement patriotique pour la vie dénoncé gouvernement démissionnaire. Il dit qu'il campait en face toute forme résolution pour retirer le pays à la crise liée jeudi. L'idée pour empêcher la population connaître tout bon vrai gagote qui fait non finance à pays. Secrétaire général adjoint États-Unis pour les affaires hémisphère occidentale. Occidental, la Brian Nichols a annoncé l'installation du conseil présidentiel là avant semaine n'a fini pour diplomate. La conseil, ça c'est un mot espoir pour peuple haïtien. Constat tout gagné en Canada que la France est mobilisée pour appuyer des marches pour mettre campé. Conseil présidentiel là, premier ministre canadien, homologue Lee Michael Attal souhaitait déploiement force multinationale là rapide qui est possible. Alors que sous initiative, plusieurs organisations politiques t'as coup bloqué avocat engagé un sit-in organisé devant bureau. Presse nationale protestateur au mandé Ronald Seja pas publié décret qui nommé 9 membres. 109 compatriotes haïtiens jouent en arrestation dans la province d'Abong avec Monte Christine, cas d'opération la mais dominicaine. La direction générale immigration Menem a dit 9 avril 2024 là. C'est en total 30 migrants qui ont arrêté d'Abong sans papier. Yo cette fille alors qu'il y a Monte Christine, 79 qui jouent en
arrestation yo. C'est point ça yo avec diverses les autres qui parlent fait essentiel journal la matin en zami auditeur, mais pas oublier n'a pas pour prendre le seul pour capable traverser avec. Na exercice aujourd'hui a wap connaît combien goud ou a besoin pour capable si un dollar américain. N'a pas pour porter pour brique à capsule santé de brancher n'a tourner. Commencer journal là, malheureusement, dernier jour, ça y est, c'est ça qui a dominé l'actualité en question et sécurité, que ce soit dans la région métropolitaine Port-au-Prince, mais tout dans quelques villes, provinces, c'est Capou Commune, Cabaret, depuis plusieurs mois là, qui sous contrôle, yon bon parti dans la commune, Negaxam. Il y a environ yon dizaine moun qui mourit en babal dans la commune, Cabaret, ayer jeudi, c'est Negaxam qui sortit dans la zone sous ma la actite hein, qui descend 26 000 à Toublaï dans cette villa dans cette villa à zone qui environne le dossier. Ça a la cause tout gros vent en panique, ça a la cause tout gros vent panique dans la commune côté population t'a cherché côté pour abriter à cause gros menace gang yo qui plané sous tête en commune depuis plus passé yolani à nous permettre tout côté yon circuit avec collaborateur nous Pascal Fleurist qui c'est yeux ak oreilles nous dans en commune accueil nous vient avec Pascal Fleuristil. Journée jeudi 11 avril 2024 là après nèg exam fait attaque dans marché public là en pile monde mouri en babal mettez souci là autour qui blessé dans centre ville là ak zone qui environné lio nouvelle attaque nèg exam dans commune là té lagué gros panique dans mitan population ça chaque jour cap couri en babal bandi à cause présence la police qui pa gagne dans commune là depuis environ un mois nouvelle ça té crié tout en pile panique dans mitan population akaya qui déjà a vive depuis plus que yon l'année sous menace gang cap opéré sur route nationale numéro 1 en pile parents sous gros tension t'es obligé courir à chercher timoun yo l'école de quoi pour pas victime dans la ria parce que focus nèg exam si la yo c'est rivé dans commune akaye nouvelle ça tout est la cause porte bureau l'état ak entreprise privée dans commune nan t'es courir fermer porte yo la police renforcé présence sur route nationale numéro 1 dans niveau commune akaye pour repousser éventuel attaque nèg exam ça capable de faire sous commune nan depuis arrondissement Akaye. Pascal Fleuristil pour Radio Méga. Merci en pile Pascal Fleuristil lui-même qui t'a passé dressé pour nous situation difficile qui passait hier côté gagnant plus passe une dizaine de monde qui mourir c'est nèg avec azam qui attaquait zone ça qui était la cause gagnant la trouble dans cabaret même à Akaye. N'a pas fini dans l'autre dossier dans le journal là sorti janvier pour arriver mars 2024 gagnant 208 monde qui mourir parmi eux 13 policiers avec 158 blessés c'est bilan tête chargée RNDLH grand public à travers un rapport dans document sa organisation droit moun nan fait connaître y aurait recensé 64 femmes actifiées qui victimes viol gain 83 et soit parmi eux institutions publiques qui pillaient ou bien passe en bas flamme dit fait selon Marie Rosie Auguste du Sénat il citait trois l'hôpital des tribunaux à 19 postes de police selon rapport ça RNDLH fait connaître ces coalitions groupes exemple vivent ensemble qui fait tout dégâts ça yo dans capitale haïtienne là n'a côté déclaration. Pour la période que nous sommes dit là, nous recensons pour répéter 208 personnes qui mourent assassinés. Parmi eux, il y a 13 policiers. Et parmi 208 victimes, ça a tout, il y a 55 cadavres que ces populations dans Port-au-Prince, dans Delma, avec dans Pétionville qui étaient découvertes. Nous recensons pour répéter 5 attaques armées qui sont faites dans le pays au niveau de Bedet, dans Croix des Bouquets. Et au niveau de Bel Air, au niveau de la Saline, dans Pernier avec dans Gantier. Nous recensons pour Pipiti 64 femmes avec 10 filles qui sont victimes de violences sexuelles. En pile dans Kassaro, c'est des cas de viol collectif que nous y est, que bandits pour mettre sous forme avec Tifi Sayo. Et il faut que nous disions tout dans le point ça que donner Sayo, c'est RNDDH avec Neges Mahon qui compile. Et donc, nous comprenons que c'est deux organisations seulement, donc ce n'est pas des données qui sont exhaustives sur ça qui gagne ouais à forme avec Tifi qui est victime de viol et viol collectif. Nous recensons pour Pipiti 158 personnes qui sont blessées par balle.
dans Port-au-Prince, dans la commune avoisinante Port-au-Prince, même j'en tourne dans des autres départements géographiques dans le pays. Nous recensons un pile cas d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon, avec promesse pour libérer mon yo si famille, mon yo bay ravisseur, rançon que réclame yo. Et dans le cas, ça a eu un petit 48 qui était passé dans la presse et nous pensons que c'était important pour nous te souligner. Pour Pipiti, nous recensons 9 manifestations anti-gouvernementales qui étaient faites dans le pays à sortir janvier pour arriver mars 2024. Nous songeons que manifestation ça a été surtout enregistrée en janvier et en février 2024, un peu partout dans le pays. Et manifestation ça a été sévèrement réprimée par la police, côté que 4 manifestants mourus et 15 personnes qui blessés. Parmi nous qui blessés, yo 8 journalistes. Et nous recensons tous 3 autres journalistes qui victimes eux-mêmes dans des autres circonstances, mais victimes quand même de insécurité. Nous recensons 83 institutions, entreprises privées, entreprises publiques, institutions publiques qui étaient attaquées, vandalisées, incendiées, soit dans Port-au-Prince, soit dans la commune avoisine dans Port-au-Prince, ou bien quelque part dans des autres départements géographiques pays. Parmi 83 espaces, 19 postes de police, 5 tribunaux de paix, 1 tribunal de première instance. RNDDH recense 13 postes de péage que bandits mettaient campés. Dans le tout le monde, dans le toute autorité. Et 13 postes de péage, ça y nous localiser 6 qui sont dans la commune Port-au-Prince avec la commune Cité Soleil, à raison de 3 dans chaque commune, ça y et puis 7 autres postes de péage qui sont même installés soit carrément sur route nationale, ou bien tout près route nationale. Numéro 1, 2, 3, 5 et 8. Nous, au courant tout, et recensé tout, en pile caille de monde dans la population que bandits ont pillé et que ont boulé tout. Notamment dans Port-au-Prince, dans Delma et surtout dans Bas-Delma. Mais par rapport à ça, tout faut que nous disions que terreur ça que bandits ont mis dans le pays a forcé des milliers de victimes qui étaient déjà retrouvées dans des sites d'hébergement, ils ont obligé de courir encore une fois à cause d'activités bandits ont apprenées. Nous avons parlé de ça déjà, gagné 2 évasions de prison qui ont enregistré dans le pays de manière faite de manière spectaculaire au niveau de prison civile Port-au-Prince avec prison civile Croix des Bouquets. Il y a une évasion de commissariat qui fait au niveau de commissariat Delma 33. Il y a une tentative d'évasion de prison qui fait au niveau de prison civile Jacmel. Cependant, jeudi, nous chita, nous attendons bilan que l'autorité pénitentiaire a partagé avec nous sous différents. Voilà, on t'a prouté intervention, Rosie Auguste, du Sénat, qui s'est eu dans responsable. Réseau national Cap défend droit monde, qui fait connaître sorti janvier, 1er mars 2024, gagne 208 monde qui est mort parmi monde, ça y est, gagne 13 policiers, 158 blessés, c'est bilan tête chargée, réseau à rendre public, document, ça, organisation droit monde, fait connaître, il y aurait 164 femmes actives qui victimes viol, qui 83 espaces, parmi aux institutions publiques qui pillaient ou bien passant, bah, flamme, dans bilan sa tour, réseau a adressé un tableau noir coulant sous situation PNH qui trouvait dans un pi mauvais moment, amis internautes, depuis les mettez sous pied à Campil dans membre à cause manque leadership dans tête PNH à Campil dans membre à recommandement qui impliqué dans un criminel. Le réseau a pas caché préoccupation tout par rapport à ce système justice là qui tombait plate à terre à cause de grève toute journée. Côté Ozi Auguste du Sénat. Sous ça qui vient à la police, dans le cadre rapport ça, nous quand même prenons le soin pour nous souligner que la police là, depuis quelques temps, il a fait face à un peu de difficultés. Mais nous estimons dans RNDDH que depuis la police l'a créé, et même dans le moment où il était au plus mal, c'est-à-dire dans la période 2002-2004, il n'y a pas déjà arrivé dans l'état de dysfonctionnement, état de délabrement ça que nous avons gardé là. Et nous estimons tout dans RNDDH que justement, la police l'a arrivé dans le point ça à cause de manque de leadership, de hiérarchie là. Et en plus de ça, tout gagne un pile monde, un pile membre de hiérarchie à tout, qui a entretenu des liens de connivence et avec des bandits armés qui, par conséquent, mettaient en danger la vie des policiers qui honnêtes, qui n'ont même pas de jambes impliqués dans la criminalité ou bien dans la corruption.
sous ça qui gagne ouais à tribunaux yo effectivement nous sommes là que depuis janvier gagne en pile tribunal que et bandi yo te prend possible gagne qui est victime de attaque qui enregistré yo mais nous pensons que l'important pour nous souligner que depuis janvier 2024 aucun tribunal dans pays a pour jamais commencer fonctionner normalement pour qui ça c'est parce que magistrat yo greffier yo huissier yo yo bail tête le mot yo entend yo pour yo abuser de droit que yo gagne pour yo faire grève. N'a pas rappelé dans ce sens ça que 20 novembre 2023, nous gagnons Parquetier, magistrat de Boulou, qui lançait une grève. Il a levé grève là le 11 décembre 2023. Le lendemain, c'est-à-dire le 12 décembre 2023, greffier yo a huissier yo lancé grève par yo. Et jodi a grève ça li là toujours. Ça veut dire pendant que effectivement tribunal yo pas arrivé fonctionner à cause de problèmes d'insécurité, mais en plus de ça, dans l'autre côté dans espace dans pays a qui pas gagné problème de sécurité ou même problème de sécurité au moindre que ça cap passé au niveau de Port-au-Prince et de l'autre commune avoisinante, et bien tribunal là toujours pas fonctionné parce que greffier huissier yo en grève. Et malheureusement au niveau de RNDDH, nous saisissons que ce n'est pas une situation qui semblait alerter et Conseil supérieur pouvoir judiciaire là. Et justement par rapport à comportement ou même par rapport à Tony carrément du Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, nous estimons dans RNDDH que c'est la première fois depuis création CSPJ que il n'a état ça, que le montrer, il a gagné incapacité totale ça pour gérer pouvoir judiciaire là. Nous sommes parlé de l'hôpital yo, avec Centre Santé yo, et nous avons dit encore que, à tout responsable de l'hôpital et de Centre Santé que nous parlons dans le cadre rapport ça, yo tout dit nous que un yo affecté en pile pour problème de sécurité a, parce que par exemple il y a des séries de monde qui fait partie de personnel qui pas qu'arriver dans lieu de travail yo, mais en plus tout yo pas gagné intrant pour faire travail yo pas qu'ajoute médicament et yo pas qu'ajoute carburant. Donc en fait de janvier à mars 2024 là, l'hôpital yo à Centre Santé yo a travaillé très difficilement. Voilà, on t'a écouté là une responsable RNDDH Oman qui présente ton bilan. Tout RNDDH qui dresse son tableau noir coulant qui est sous situation difficile PNH là. Il trouvait là dans un moment ça, dans même occasion ça. Réseau national cap défendre droit mounio, quoi. Situation à vivre là, je dis, qui a débouché à son crise humanitaire sans pareil. Il fait plaisir, recommandation, tout coup. CSPJ a dû chercher en tête à greffier yo pour tribunal yo recommencer travail. Conseil présidentiel là, dû faire changement dans chaîne au commandement de la police là, commencer par évoquer France B dans tête PNH là, dans mettre programme économique pour soulager victimes en sécurité yo. Conseil là, dû faire audit dans diverses institutions dans le pays, tout coup, à AN, OFNAC, pour ne citer ça yo seulement, et yo mandé pour camper bataille pour redresser situation économique difficile pays a après qu'on ait dernier temps ça n'a pas écouté madame Rosie. Situation que nous décrit dans le rapport que nous publié 10 avril 2024 là, c'est une situation pour nous mêmes dans RNDDH qui risque aggraver, qui risque même déboucher sur une crise humanitaire sans précédent, c'est que pas gagner des mesures immédiates qui adoptées. Et c'est peut-être ça, nous fait des recommandations dans le rapport là. Il y a deux types de recommandations. Première recommandation que nous faisons, nous adressons carrément à Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, CSPJ, côté que nous demandons pour les jeunes rapidement y ont entente. Pour les capables de mettre fin à grève illimitée greffier huissier et permettre que l'activité reprenne normalement dans différents tribunaux qui gagnent dans le pays. Deuxièmement, à conseil présidentiel de transition, ça qui va aller pour entrer en fonction, nous demandons pour immédiatement que l'on entre en fonction, justement pour opérer des changements dans la chaîne de sécurité dans le pays. Deuxièmement, nous demandons clairement pour limoger le directeur général de la police nationale, la France LB, pour incompétence caractérisée. Nous demandons pour lui rétablir conditions adéquates de sécurité pour permettre que victimes de l'insécurité ne puissent pas retourner à la caille. Nous demandons pour lui mettre des programmes psychosociaux, mais tout des programmes économiques tout pour victimes de l'insécurité que nous connaissons, qui sont complètement décapitalisées par rapport à événements et qui liés à caillou qui boulait, machine qui boulait, tout bien qui pillait, etc. Nous demandons au conseil présidentiel ça, pour lui gérer les ressources l'État de manière telle que le papa continuer à alimenter bandits, gens que nous toujours et ça, et surtout gens que nous t'aimons ça, tout dernièrement là, avec le premier ministre de facto Ariel Henry dans tête pouvoir. Et enfin, nous demandons au conseil là pour lui engager pour lutter contre la corruption, et dans ce sens-là, nous demandons pour lui
passer des instructions formelles pour que les audits financiers qui fait pour période sortie juillet 2021 rivé à 2024 de Palais National, de la Primature, de Ministère Intérieur à Collectivité Territoriale, de Ministère Planification à Coopération Externe, de Ministère Travaux Publics, Transport et Communication, de Office National Assurance Vieillesse, de Autorité Aéroportuaire Nationale et de Office National Aviation Civile. Bon, écoutez, nous bien longtemps que nous dit que on dans institution policière, il faut bien vertin qui fait. Nous rete quoi que institution la police la gagne bon et élément la donne, des policiers qui honnêtes, qui crédibles, qui toujours respectent tête yo, mais nous connaissons que la police la tout gagne en dernier, en pile policier qui gagne des liens de connivence avec bandits armés, et c'est peut-être ça que nous t'es toujours à réclamer. Et nous toujours continuer à réclamer vetting institution la police là. Ceci étant dit, écoutez, il y a un monde qui est en corruption, il y a un monde qui est en criminalité, li, et même j'ai un n'importe quel citoyen, il commet des actes. Donc en réalité, si la police pour qu'on parle, t'as fait travail, t'as fait vetting de manière continue. Et je ne veux dire, si la arrêté, c'est la police et la justice qui vous jugez et condamnez pour implication. Non.